easy without you, my love. La radio, toute une génération. Radio Star, la fréquence des mondes. Anytime, anywhere. Aujourd'hui, vraiment, je vais me divertir. Hein? Je viens de recevoir mon salaire. Je vais, en tout cas, aller acheter une bière pour les autres hommes. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, je vais montrer ma force. Et je vais consommer jusqu'aux trois quarts de mon salaire. En tout cas, aujourd'hui, c'est la fête. Maman Sifa, imbécile de femme. Maman Sifa. Mon Dieu, cet homme va finir par me tuer. C'est comme s'il rentre encore seul et trop tard comme ça. Mais cette femme veut que je me dévore. Laissez-moi aller. Maman Sifa. Ouvrez cette porte, imbécile. Malgré ma peur. Soyez le bienvenu, mon mari. Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu, idiote. Qu'est-ce que tu faisais tout cet état-là? Hein? Excusez-moi, mon mari. J'étais profondément endormi. Endormi? Oui. Imbécile. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe encore dans cette maison? Papa, pourquoi vas-tu, maman? Je vais essayer de pendant des heures. Laisse-moi tranquille. Et toi, la fille, qu'est-ce que tu viens de faire ici? Vous tous, allez. Ok, papa. Rentrez au lit vite. Ok, papa. Et de, si vous continuez, je vais vous chasser dans cette maison. Vas-y. Je verrai là où vous allez partir. Okay. Bande de foutaises, de fainéants. Oh mon Dieu, la nuit était longue. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée. Bonjour mon mari. Bonjour mon mari. Bonjour quoi? Mais, tu crois que j'ai déjà oublié? Mon mari, je voulais juste te dire que le bailleur était passé pour les frais de loyer. Et nos enfants n'ont rien à manger. Mais quoi? Aussi, il leur faut les frais scolaires. Jamais on se reposera dans cette maison. Toujours de l'argent, de l'argent. Vous croyez que je suis une machine qui produise de l'argent? Mais, mon mari, comment peux-tu dire ça, chérie? Tout ce que je t'ai dit est de notre bien, de la famille entière. En plus, s'il faut l'argent pour la famille, tu ne cesses de te lamenter. Mais tous les jours, tu viens très saoul. Tu devrais avoir honte et prendre tes responsabilités en tant que père de famille, hein? Tais-toi. Oui. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour ma fille. Qu'est-ce que tu fais? Papa en train de nous envoyer pour les frais scolaires. Voilà. Voilà mon mari, c'est ce que je venais de te dire. Imbécile de femme. Vas-y avec ta fille. Chaque fois de l'argent, de l'argent. Et d'ailleurs. Il faut bien comprendre, hein? Désormais, vous ne recevrez plus rien de moi. Même, est-ce que les études de femmes, c'est juste, c'est pour se terminer dans la cuisine? Seigneur. Mais non, papa. Oh, Seigneur. Qu'est-ce que vous allez faire avec les études de femmes? Mais papa. Je ne vais pas encore vous entendre parler de l'argent et me demander de l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ceci? Comment je vais gérer ces enfants? Maman, ça fait des jours sans rien manger. Nous avons très faim, donne-nous à manger. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais donner à ces enfants? Écoutez mes enfants,
Cela fait 2 jours que votre papa ne laisse rien comme ratio. Mais je vais chez la voisine lui demander quoi mettre sous la dent. Hein? Ok, maman. T'en fais pas. Ok, maman. Oui, entrez. Bonjour, voisine. Bonjour, maman Sifa. Je suis venue te demander une aide, s'il te plaît. Laquelle? Une petite nourriture pour mes enfants. Cela fait 2 jours qu'ils n'ont rien mangé. Maman Sifa, ta situation me touche vraiment à cœur. Seigneur, je suis désolée, maman Sifa. Je pense que j'ai encore un peu d'haricots. Prends, va d'abord les donner aux enfants. Tu vas rentrer, on va causer. Merci beaucoup, voisine. Que Dieu te bénisse. Entrez, maman Sifa. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour encore, voisine. Bonjour, voisine. Soyez la bienvenue. Oui, je suis de retour. Maman Sifa. Bonjour. Tu sais que ta situation me touche vraiment à cœur. Qu'il te plaise de me dire ce qui t'arrive. En plus d'être ta voisine, je suis une fille ambassadrice pour la paix. Ah bon? Qui lutte pour le droit de la femme en combattant contre toute forme de violence faite aux femmes. Ma chère, je ne sais comment te le dire. Tous les jours, mon mari rentre trop tard la nuit et encore trop ivre. Vraiment. Si seulement j'ose lui adresser la parole, lui montrant les besoins de la famille, il me frappe à mort et m'injure. Et il est arrivé un jour à me casser le bras. Regarde. Je suis vraiment désolée, maman. Les enfants n'étudient plus parce que selon lui, les études de la fille, c'est la cuisine. Il a même refusé de ne plus jamais donner la ration à la famille. C'est pas vrai. Je ne vis plus. Je ne sais quoi faire. Maman Sifa, je suis vraiment désolée de ta situation. Et malheureusement, c'est la situation dont la plupart des femmes vivent dans leur foyer. Mmh. Cet homme ne devrait pas te traiter ainsi. Vous êtes en train de subir des violences domestiques qui comportent la violence physique, psychologique et économique. Oui. Pour sortir de cette situation, tu dois faire un grand effort de connaître d'abord les droits et lois qui te protègent contre toutes ces violences. Mais aussi, tu dois chercher un travail quelconque pour que tu gagnes ton propre argent, ainsi devenir autonome ou indépendante de l'argent de ton mari. Voilà. Tu dois encore traduire ton mari en justice s'il le faut, car les violences de ce genre sont punies par la loi dans notre pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, ma chère voisine, pour ces bons conseils. Je te promets de les mettre en pratique. Ce message vous est apporté par Safeco en partenariat avec le Global Network of Women Peace Builders à travers le programme des filles ambassadrices pour la yeah, mama, yo, mama, everybody. Il y a code de la famille, Quarticle 446, Inase Maïve. Kama ndoa ilifungwa entre mwanamke na mwanaume benya baya eneza miaka. Ile mariage inapasha kuwa anile. Mm-hmm. Na kila mtu yeyote mwenye ataparticipe kwa ile mariage anapasha lipa maamande zifulani fulani. Make mapenalite zinapasha mufikia, anapasha zilipa. Lakini me quelque part, samwa minasema kama lua zetu zamani. Na makazi. Mm-hmm. Banaenda angukia mu batoto wa msegondere. Unatosha mtoto kwapo mtoto wa watu wake hajua yake tutafuta kazi. Hayakomala. Unamfikisha mu nyumba directement mamimbo unaanza zala na zala kisha wewe unaanza mchamba hivi vyote unapisha mwa hivi pindi. Mm. Unapenda yeye mtoto mulitwala mwayajua tafuta maisha aanze pata apate atajua tafuta kazi. Wewe njoo gisu ni muoa vile. Ni kwako sasa kwanza mfundisha gisi ya kutumika kila kitu. Ndio, asante dada. Kuko msikilizaji wetu moya mwenye anatutumia message anasema hivi, na ingine cause ya violence inaletwa na wababa ambayo wanataka kujimimi ndani ya nyumba. Mm. Mie njo baba, mimi nasema na njo bikuwe tu vile. Ni kuita wababa na kuwaongelesha juu ya kazi za mwanamke. Asante sana mpendwa msikilizaji wetu.
manake ya nasema hivi violence domestique no inaleta kwa baba wenye wanajiona onjo wa autorite mwanamke anakia kusema manake tunaomba wababa wajikaze wa considérer mwanamke sa vile égal sa vile complémentaire wao wa kuwasaidia ku évoluer ndio wawapende kusudi wapate ku évoluer mzuri maisha. Asante sana mpendwa msikilizaji wetu. Dada Riziki, sijue tunasema tu makoze ma definition sio kama kuna ma conséquences ya ile violence domestique. Ma conséquences ya violence domestique haziwezi kosa juu ni vinyume yenye na kiatokea après hii ma violence. Ndio. Bon, il y a par exemple la mort. Ndio. Mtu anaweza kufa. Soit ile sasa mko napigana vile unaweza mgusa fasi kwenye ungepasha kugusa na ile na koze mwao. Soit ile kumwambia wenye unapenda iko na nabakia mwile mawazo anaweza tapata wazimu na ile na koze mwao. Samo au toile le télévision mutupie ile mwao kisu muingize. Vraiment tuangalisia ku corriger ile. Ndio. Na iko ile tu. Ile na leta ingine nye inaitwa ulema. Mtoto wa watu unamtosha kwa wiko ite. Unamufikisha mnyumba anakuwa madore kusura. Mkono sote livunjika. Ile yote ni ya kuacha. Ingine ni boga. Koma bibi anaweza olewa na bwana. Mikisha sasa unasikia bwana anakuya unakimbia unaanza ogopa. Unagonda juu unasikia bwana anakuya. Unajua saa hii makuzi naanza mie wabo nani wangu. Na watoto nao sasa wanasikia papa baba. Kuko hata manyumba za watoto sasa baone baba wakisikia baba ni kukwepa. Ni kukimbia mu mashambre basi kusikia takonga li macho. Mama iko peut-être angekuwa hata na kaide kakongezea bwana mkitu fulani ya mnyumba. Ndio. Mechu iko na boga hata sogelea bwana. Ndio kabisa. Na nyingine ile ma stress. Ile ma stress ile ndio inaleta magonjwa ya moyo, ma depression. Tuangalie kisi ya kucorriger ile tabia. Tension. Ndio pale unakutaka mama iko munjia, iko sa dépassé. Bona zania iko naona au iko nasikia gari inangua tena mgonga chuma mawazo yako mbali sana. Mawazo yako mbali. Anateseka sana. Ingine consequence. Ndio. Inaugmente ba my bobo. Ndio. Kwa ba mingi. Ile ni kweli ndio unakutanisha basi ukikutanisha baba iko mviyake mama iko mviyake unapenda watoto wakwe yae au mumwa ule baba kikufa vile mama makujua tafuta mbalikuwa katalia situmike kusema mwisho njoo anze tumika ile naongeza manki ile na ayaribishe tu ile jamaa na ribisha society yote il faut kuangalia jinsi ya kuchanger ile ile ingine kudetruire mtu na ile mabitu mabia nyumba. Sasa unauza television ni franga njoo litosha ni bien famille. Mais sono kamata tena unaanza mpigia ku television na pasule ile television kabisa yenye peut-être ongeuzishongeza tasaki ya maraiki unaenda aribisha juti ya kupenda kupiga mwingine. Mpaka mwanamke anakuwa complexe. Vraiment tuangalie gisi ya kuchanger inaongeza divorce ba ya mama mariage ziko mingi na njoo sima divorce nazo zinakuwa mingi. Excusez tuko na message hapa nasema sasa kama bibi anaenda fungisha bwana yake est-ce que ile ingali foyer ni Olivier kutoka Karale. Kaka Olivier natuliza hapa kama bibi anaenda fungisha bwana yake est-ce que ile ingali foyer. Kama mwanamke anafikia vraiment kuatua kwenda fungisha wanawake, manake aliona anashindwa. Anashindwa anafika mwisho wa mateso. Jusa problem inaanza kama mfoyer je pense. Bibi anapimaka kuongelesha bwana, anajishusha na muongelesha na muonesha le pour et le contre ya kitu yenye wanapenda bafikie yako. Kama atakusikia. Ndio. Na bibi, bibi akishindwa anaita sa vile ba parrain, anaita sa vile ba rafiki, bazazi, bakaka, badada. Bote wanajikaza, anabambia bamsaidie kumashauri. Lakini inafikia kwa un certain niveau. Bwana akamatiki. Msaidia kwa kuproduire hii emission. Tunashukuru wa mama shuja ote. Tunashukuru teknisien wetu wa siku ya leo. Tunashukuru Radio Star enye tupermetre kufanya hii emission ya leo. Kwa heri, kwa kuonana. Asante. Il paraît que l'histoire d'un peuple s'écrit par le sang. Et par le sang, nos mères, femmes et filles ont scellé le destin de nos enfants. Il faut essuyer leurs larmes. Il faut effacer leur honte. Elles resteront à jamais gravées dans nos cœurs.
Mama zetu, dada zetu wamejereuliwa, wametupiliwa kisa eti wamebakwa. Hiyo isiwe chanzo cha kuwatupilia, wako katika shida, tuzidi wasaidia. Mateso yetu